Salut tout le monde, c'est MLBro et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour la suite de l'épisode 2 de Tout sur l'élevage des dragonnades. Alors, comme vous avez pu voir, si vous avez suivi le premier épisode, je vous ai montré comment utiliser un élevage, comment monter vos dragonnades en sénilité, moyenne, plus, etc. Comment augmenter l'amour, l'endurance et la maturité, comment la rendre féconde. Et aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur le fait de up les montures niveau 5 pour qu'elles soient fécondes. Et après, je vais vous montrer un accouplement. Donc là, j'ai gardé spécialement deux montures. Donc là, vous pouvez voir une dorée de niveau 5. Comme vous pouvez voir ici, elle est féconde. Et là aussi, elle est féconde. Ça sera une rousse. Alors, je vais vous parler des spécifications. Pour faire l'élevage de dragonnades, il faudra faire attention à la reproduction. Donc, au bout de 20 reproductions, la monture sera stérile. Il me semble que je vous l'avais déjà dit, mais quelques internautes m'ont demandé plusieurs fois. Et je vous avais aussi montré l'arbre généalogique. Donc, comment il fonctionne. Donc, votre monture, elle est ici, tout en bas. Donc là, ça sera ses parents, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents. Donc, toute l'arbre généalogique, comme pour nous les humains. Donc, généralement, les montures les mieux, en fait, on peut dire, c'est clair. Les mieux, ça serait donc les caméléons, bien sûr, celles qui ont un petit peu de des options, des capacités, pardon. Et sauf ces capacités, vous pouvez regarder les arbres généalogiques si vous les achetez, les montures, ou même si c'est vos propres montures. Regardez les arbres généalogiques au niveau des dragonnades à double couleur, donc les multicolores. Sont pratiquement elles donnent des plus bons pare-chaud et c'est beaucoup mieux pour la vente, pour la reproduction, et elles offrent aussi il me semble un meilleur ratio. Dans une prochaine vidéo, donc là je vais vous faire montrer juste l'accouplement et ainsi que la vente des dragonnades, les deux façons que je connais moi-même. Peut-être qu'il y en a d'autres, des peut-être meilleures, je ne sais pas encore. Il faudra que je m'attarde un peu plus là-dessus. Après, je vais sur un troisième épisode, je vous parlerai des pourcentages. Donc, quel dragonnade mettre combien de temps à être féconde. Pour l'instant, c'est encore flou pour moi. Il faudra que je me renseigne un petit peu. Donc, je vous parlerai de ça au troisième épisode. N'ayez pas peur, ce sera dans pas trop longtemps. Donc, tout de suite, je vais vous montrer donc le premier élevage. Je vais enlever carrément tous mes objets d'enclos, hein, pour que ce soit plus net. Donc là, je suis à mon petit enclos de la guilde à Brakmar. Voilà, vous mettez les deux dragonnades. Alors, en récurrence, vous devez avoir. Donc là, vous voyez, ça s'est mis. Ça couple directement, donc c'est assez marrant à avoir. Sinon, vous pourrez faire l'émote bisou ou l'émote pété pour qu'elle s'éloigne ou qu'elle se rapproche. Voilà, donc maintenant qu'elles sont accouplées, vous allez dans l'enclos. Et vous pouvez voir que l'amour et l'endurance ont diminué. Donc si vous êtes à 10 000 en amour, elle diminuera jusqu'à 2500. Donc là, en endurance, elle n'y était pas, donc elle est à 565. Donc en fait, elle diminue de 5 000. Oui, voilà. Elle diminue jusqu'à 2500, sinon moins, selon votre endurance. Ou amour. Et là, vous pouvez voir féconde 1 heure. Donc c'est, ça peut porter, ça peut un peu porter à la confusion. Non, elle va pas faire un enfant dans 1 heure, hein, ça serait un petit peu facile. Mais par contre, ça met directement qu'elle est féconde depuis 1 heure. Donc même si ça fait 20 secondes, et toutes les heures, donc dans 1 heure, ça mettra fécondé entre parenthèses 2 heures. Donc, il me semble que ce sont les prunes les plus longues, parce que j'ai pu voir qu'elles allaient jusqu'à 130 heures, 140 heures de fécondité. C'est quand même assez long, c'est vrai. Mais sinon, les amandes, elles mettent à peu près 48 heures, 50 heures. Donc, c'est les plus rentables, on peut dire. Et quelque chose que vous pouvez savoir, que beaucoup de personnes ignorent, et d'ailleurs, renie quand je le dis, les montures peuvent avoir des capacités sans forcément avoir directement de montures qui ont des capacités elles-mêmes dans leur arbre généalogique, ce qui est un peu logique parce que comment on aurait pu en avoir si on commençait avec des dragons sauvages. Bref, cela étant un peu
un peu plus clair, j'espère pour vous. Et on peut aussi avoir, par exemple, si on a un arbre généalogique que avec ça, vous voyez, là il y a, on va regarder, là il n'y a pas de prune par exemple sur cet arbre généalogique, et admettons que sur une deuxième il n'y en a pas non plus. Eh ben, il y a quand même une petite probabilité pour qu'on ait une dragonymphe prune en accouchement sur ces deux dragonymphes. Donc voici la dragonymphe mise. Donc vous pouvez les voir, vous pouvez surveiller en regardant sur la liste monture fécondée. Donc vous pouvez les guetter. Donc là il y en a une qui a été 3 heures, voilà comme je vous disais. Donc celle-là je l'ai faite juste un peu avant et j'ai pensé à vous faire la suite de la vidéo qui a mis un peu de temps à se faire, donc ça fait quelques semaines maintenant. Donc voilà, vous pouvez voir 3 heures et là elle est toujours à 1 heure. Maintenant, je vais vous montrer pour les ventes. Donc je vais prendre tout simplement une dragoningue, une amande parce que j'en ai vraiment trop. Voilà, je vais prendre celle-là qui est tout juste née. Voilà. Alors, vous pouvez d'abord. Donc moi je vais prendre ma potion. Vous allez au château d'Amakna, donc vous prenez le zap. Si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer avec la map. Donc la zone 3,-5. Vous regardez votre géoposition. Vous l'agrandissez. Hop. Donc le château d'Amakna est juste ici. Hein. Vous partez d'Astre, vous descendez, hop, et voilà, vous y êtes. Mais la zone n'est pas exactement là pour les vendre. Donc là, je vais vous montrer comment échanger en ayant des parchemins d'intelligence, des parchemins dorés, des parchemins d'agilité, bref, toutes sortes de parchemins, les petits, les moyens, les puissants. Il y a vraiment tout, sauf que les dragonins sont, c'est un, disons, variable selon la race de dragonin. Donc là, l'amande, elle donne un parchemin doré, ce qui est déjà mieux rentable. On peut voir en prix d'estimation 34 000, mais les dragonins amandes, qu'on soit un peu clair là-dessus, elles ne vont pas se vendre. Voilà, elles vont pas se vendre. Bon, je vais quand même aller vous montrer les autres dragonins hein, pour faire le test. Je vais juste vous montrer ce qu'elles donnent. Donc là, on va dans notre étable. Ouais, là, c'est le deuxième enclos, un petit. Je m'en sers surtout pour les accouplements. Alors, on va tester, tiens, une amande dorée, voilà, une amande ébène, ça va donner quasiment pareil. Non, on va changer, on va prendre d'amande dorée, tiens, j'ai jamais regardé ce qu'elle donnait réellement, c'est vraiment un parchemin doré. Dorée, ébène, ébène, alors, les ébènes, elles donnent un petit parchemin, parce que elles sont de la première génération, elles donnent un petit parchemin d'agilité, donc c'est pas forcément rentable. Donc, autant les revendre directement elles-mêmes. Je vais regarder, voilà, les émeraudes. Tout ce qui est émeraude, je veux voir, on va voir. Donc Indigo, elle donne des petits parchemins de chance. Ivoire. Ivoire, on va regarder ce que ça donne. Orchidée, c'est des parchemins d'intelligence. Pourquoi des parchemins de terre. Prune, parchemin de vitalité, il me semble. Oui, c'est vrai que ça donne la vitalité. Hop. Et là, on va regarder celle-ci aussi. Voilà, je pense que ça sera pas mal pour un petit exemple. Donc, on retourne au château d'Amakna. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, bon, sauf si vous avez vu la zone. Donc, le zap, je vous l'ai dit, c'est en 3,5. Quasiment tout le monde là. Hein. Puis c'est pas très très loin, hein, tout le monde peut y aller. Donc bien sûr il faut être abonné hein, pour faire un élevage. Je pense que je vous apprends rien. Alors donc vous allez ici. Alors la zone voilà, c'est en 4,-6. Donc vous parlez à garde montée. Vous faites échanger une monture. Donc là, prune. Ok, d'accord. Alors une prune pourpre, elle donnera un parchemin de force, un puissant, pardon. Une ivoire, un grand parchemin de chance, une émeraude rousse, un puissant parchemin de vitalité, c'est pas super hein, pourtant. Une. Qu'est-ce que j'ai fait?
Attendez, parce que je suis un peu perdu en fait. Donc pourpre, je n'ai pas mise. Puissant. Voilà. Bon, la carte ce sens. Et l'amande dorée, voilà. L'amande dorée, un petit parchemin de sagesse. C'est pas super ça. Non. Voilà, donc celles-là, elles sont pas forcément rentables. Hein. Amande ébène, un petit parchemin d'agilité. Ouais, parce qu'elles sont de petite génération, hein. C'est tout. Voilà, doré, elle donne un petit parchemin de sagesse. Donc oui, les dorés, ça peut être pas mal. Donc doré ébène, on vient de la faire. Tac. Émeraude rousse, elle donne un puissant parchemin de vitalité. Voilà, vous voyez globalement, amande ébène, je sais pas si, oui, si j'ai fait. Voilà, donc vous pouvez les vendre, vous les échangez à ce monsieur, il vous donne le parchemin. Donc vous allez après, hop, à Bonta ou à Bragmar, hein, c'est comme vous voulez. C'est exactement le même. Vous allez à l'hôtel de vente des documents. Double-clic. Et là, bon. Forcément de texte, non. Les caractéristiques. Et par exemple, tout à l'heure, on avait des petits portions de sagesse. Voilà, on peut les revendre dans les 8000. Étant donné que les dragonnades ne partent pas vraiment vite. On va regarder le puissant parchemin de vitalité. Voilà, 80 000 kabas. Donc, à partir des accouplés qui sont pas mal, on peut rapporter pas mal d'argent. Bon, les élevages maintenant, c'est si vous n'êtes pas vraiment présent, ça ne marche vraiment pas beaucoup. Il faut vraiment y aller à fond pour. Il faut vraiment être connecté tous les jours pour faire son élevage, sinon ça ne sert vraiment à rien. Moi j'ai été absent pendant quelques temps et mon élevage n'a pas du tout avancé, ça va pas avancer tout seul bien sûr. Donc c'est assez dommage, c'est que les parchemins ont diminué au niveau des prix et les dragonnades, je sais pas, il y a quelque chose, avant un éleveur se faisait vraiment beaucoup de camas et d'ailleurs pour moi c'est quasiment une passion en fait de faire un élevage de dragonnades. J'espère que c'est pareil pour vous. Voilà. Vous allez donc les montures, voilà, vous pouvez les vendre directement. Et je vous le dis très clairement, elles sont pas très très chères. Hein. Voilà, 99 000, 48 000. Voilà, c'est limite mieux de vendre, c'est vrai. Voilà, je regardais l'amande, voilà. L'amande, elle coûte 20 000, mais personne les achète. Quasiment personne va les acheter. C'est dommage que les montures et tout ce qui est pardon. C'est dommage que les montures, tout ce qui est élevage, les parchemins, ça vaut beaucoup moins qu'avant, mais ça reste toujours un plaisir de se faire un petit élevage. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite, l'épisode 3 et n'hésitez pas à regarder mes prochaines vidéos. À regarder celles qui sont déjà faites sur mon réseau de SRAM. Je vous ai montré aussi comment faire 3 millions d'XP en une quête, deux quêtes qui sont pas mal. Vous pourrez voir bientôt sur ma chaîne des Coliseum, des beaux défis où j'ai loupé un upload qui était pas mal, où j'ai battu un 2 niveau 190 et je suis vraiment déçu de pas l'avoir. Pas avoir pu upload, le PC a un peu planté au même moment, donc c'était un peu dommage. Enfin, c'est l'objet vidéo qui a planté. Et du coup, j'étais un peu déçu. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et je vous dis à salut et salut!